Bonjour mes chers téléspectateurs, vous qui nous suivez à travers vos petits écrans, bienvenue dans le journal de Mokoteni Bekmanye. S'il vous plaît, silence, j'aime pas ça, quand je travaille, ne m'en perdez pas, imbécile, le Dougou est déjà depuis longtemps, tu étais où, salopard de poulet. Alors, continuons notre journal. Mokoteni Bekmanye est un slogan malien 100% pour sensibiliser la population de s'occuper à leurs problèmes et laisser les problèmes d'autrui. Ah, ça c'est le vérité. Alors, d'après les Nafiki, c'est-à-dire les Yebalifor, une influenceuse blogueuse internationale d'origine malienne installée à Paris, qui a comme slogan de Tante Mokoti, c'est ça pourquoi Nifani Batye Nini Sorombi Sampa a été Sampa à Paris hier. Alors, si l'information est vraie, on dit non à toutes sortes de violences faites aux femmes. Oh, si l'information est fausse, c'est-à-dire pour faire baise, c'est leur problème. On s'en fiche. Mokoteni Bekmanye. Continuons notre journal. Félicitations aux aigles du Mali qui viennent d'honorer tous les Mali à la Coupe du Monde de moins de 17 ans. Félicitations à vous pour votre troisième place. Maintenant, c'est au tour de Doudou Aïdra, Djadja Samasegou, Yves Bissouma, Moussa Dienepo. C'est votre tour de remporter la CAN 2024. Si vous remportez, c'est bien. Si vous ne remportez pas aussi, c'est votre problème. Mokoteni Bekmanye. Dossier suivant. Dossier suivant, Talibi et Echa, il paraît qu'ils sont en cours de séparation, c'est-à-dire divorce. Kaïbe Foursa, Siraka. Et s'ils se foutent ça, c'est leur problème. Si c'est faux aussi, c'est leur problème. Mokoteni Bekmanye. Des jeunes Maliens se sont poignardés au niveau du 3e point de Bamako à cause de 300 francs CFA hier soir à 17h. Alors, si il veut, la jeunesse malienne, si vous voulez changer, si vous ne voulez pas, il faut rester comme ça, on s'en fiche. Mokoteni Bekmanye. NMSA, toujours courant de guerre, on a tout fait. Les comédiens ont fait beaucoup de vidéos pour sensibiliser la population, pour faire changer l'énergie du Mali, mais malheureusement, c'est toujours le même cas. Or, l'énergie du Mali, à son tour, a montré aux comédiens qu'ils ont une chanson qui, on les chante. Outandon, c'est la chanson préférée de Energy Mali pour montrer à la population malienne qu'on ne les connaisse pas. Mokoteni Bekmanye, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Inch'Allah, demain on se retrouvera ici à 7h. Merci.